parce qu'il n'a pas aimé la pluie, mon petit micro. Et toujours Miss Raclette à l'ouvrage. Francesco avait commandé du soleil et des nanas. J'ai vu une nana tout à l'heure, une catcheuse en maillot de bain. Je ne sais pas si elle n'est plus là. Bon, messieurs, vous vous sentez d'attaque quand même. Ah, même l'éclair noir se met à la raclette. Regardez si c'est beau l'éclair noir à la raclette. Ah, ouais, je me doutais bien que ça ne durerait pas. Allez, bon, nous avons une partie des catcheurs. Alors, je vous rappelle que nous avons l'éclair noir, Galaton et Francesco Vega dans un coin. Et il nous manque l'arbitre. Avant de faire entrer la deuxième partie, veuillez accueillir l'arbitre, s'il vous plaît. Alors, on applaudit très fort notre arbitre. Irréprochable jusque-là, je dirais. Allez, monsieur l'arbitre, faut y aller. Alors, on fait du favoritisme à l'arbitre. Francesco Vega ne change pas. Alors, monsieur l'arbitre. Alors maintenant, nous allons accueillir la deuxième équipe. Nous allons retrouver Fox Sam. Nous allons retrouver notre arbitre international, Monsieur Fontana. Et nous allons retrouver avec nous Mike. Veuillez accueillir l'équipe. L'équipe Fontana. Allez. À chaque revanche, Monsieur Mike. Après vous. Monsieur l'arbitre, elle faut miner. Allez, on a promis en premier, le premier à monter sur le ring. C'est Mike, suivi de Fontana. Et suivi de Foxal. Alors, monsieur. Ah, il est gros. Que voulez-vous, Galaton? J'ai quand même pas de lui couper les jambes. Alors, monsieur. Je pense que j'aurais pas besoin de vous le redire. Je pense que, voilà, il va falloir respecter. Ça fait du monde sur le ring. Messieurs, faites attention, le ring glisse énormément. Il va falloir faire très attention aux blessures. Alors là, vous allez peut-être avoir de la gamelle, mais involontaire. Sur un ring comme ça, très mouillé. Alors, monsieur l'arbitre, on présente plus, c'est plus la peine. Par contre, il nous faut deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme. Oh, ah non, c'est Mike. Mike qui commence face à Galaton. Alors, je pense qu'il va falloir l'applaudir et l'encourager énormément. Et Galaton se fait toujours autant aimer. Et le soleil est revenu. Monsieur l'arbitre, je vous propose qu'à n'importe quel moment, quand il ne pleut plus, qu'on fasse une petite pause de 30 secondes pour éponger le ring. Si jamais il s'arrête de pleuvoir, parce que pour l'instant il pleut encore. J'espère que les catcheurs ne m'en voudront pas, mais il faut éviter l'accident. Pardon? Oh, maintenant, Francesco veut finir. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Vous avez choisi votre camp? Monsieur l'arbitre, prêt? Envoyez! Alors, allez, on encourage. Allez, c'est parti, ça démarre, c'est parti. Allez, Galaton face à Mike. Ah, oui, Mike, c'est aussi du lourd. C'est une femme, mais c'est du lourd.
Ça vaut bien les clairons là, hein, regardez ça. Et elle en est fière de ses biscottos. Ah oui, là il y a du muscle. Allez, on y va. C'est parti. Et bras retournés pour démarrer. Et la version du bras. Et la version deuxième. On amène au sol. Attention. Attention, que va nous faire Gélaton. Oh, déjà une tentative de petit paquet. Un petit paquet pour démarrer. Ah non, il est dans les cordes. Ah oui. La tentative de petit paquet, mais elle était dans les cordes. Sinon, ah ben oui, Mike, il va falloir se méfier. C'est une femme, il faut s'en méfier. Allez. Faut y aller au charbon, Mike, faut y aller. Allez, Mike, on s'encourage, on y va. Ah oui, Galatin est puissante. Attention, ça tire sur les nuques. Oh, je n'y pas. Oh, descend le cuisse. Allez. Allez, ouais, l'arbitre est là quand même. Et on la repositionne. Ah, l'arbitre, il a dit deux. Allez, Mike, il ne faut pas laisser tomber déjà. Alors, je vous rappelle le principe, c'est élimination tombée. Élimination tombée. Oh, Mike. Oh, mon Dieu. C'est une vraie patinoire. Alors là, il va falloir se méfier, mais il va les sortir involontaires. Regardez comme ça glisse. Regardez comme ça glisse. Ah, oh, que va nous faire Galatin. Oh, non, non. Non, Galatin. Oh, mon Dieu. Galatin aime les hommes, ça se reconnaît tout de suite. Mon Dieu, il est au sol. Attention. Et oh mon Dieu, la deuxième. Pauvre Mike. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça, Mike. Allez, il n'avait pas prévu. Passage du relais. Passage du relais. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Galatin. Galatin. Oh là là, mise en tombe dans l'équipe de Galatin. Oh mon Dieu. Galatin, les amis, au tapis. Oh, malheur, non. Qu'est-ce qui lui arrive à Galatin? Mais Galatin, les déchaînés. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais Galatin, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes en équipe, Galatin. Mais Galatin, vous avez une équipe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, Galatin, vous a pété un câble. Ça lui arrive fort, ben, elle est fâchée, du coup elle sort. Du coup elle sort, dis donc. Oh, et Mike en profite. Les fermeurs en profitent. Coup de pied. Ah, tout le monde est rentré dans les rangs là. Et Mike en profite. Oh, sur la série, le coup de pied. Ça, ça fait mal. Oh, et un coup de pied derrière la tête. Attention, peut-être le premier tombé. Ah non, 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 apparemment, l'éclair noir a envie de s'amuser. Il l'a relevé, passage de relais à Francesco Mega. Ah, je vous rappelle quand même que vous avez droit à 20 secondes à deux. Hein. Oh là. Et aussi bien le... Tentative de tomber. Un, deux, non, dégagement. On rappelle les fermeurs qu'il y a un coin. Hein. Et ça essaye de passer, mais on retient, on veut s'amuser. Oh, et ça glisse, ça glisse. Passage au relais à Foxtad. Oh, joli chassé d'entrée. Joli chassé d'entrée. Oh, attention, attention. Il nage, Francesco Mega est mal mené. Écrasement des genoux. Ah oui, ça glisse, monsieur Francesco Mega. Oh, DLC descend de la cuisse.
Intervention de l'éclair noir. On va mettre un suspense. Même Fontana, monsieur Fontana, vous n'avez pas le droit, chacun son coin. Oh, il lui a brisé le joue. Ça fait mal, ça, monsieur Francesco Vega. Ça fait mal, ça. Passage de relais à Fontana. Vous avez le droit aux 20 secondes, à deux, comme l'autre, attention, ça glisse énormément. Il va falloir, oh, double chassé. Double chassé. Oh, sortie de Fontana. Vous avez vu un joli glissade. Et Fontana va au tapis. Francesco Vega, toujours sa dédicacesse avec les tremblements. Et monsieur Francesco, il y a les cordes. Oui, mais il avait les doigts dans les cordes. Ah oui, il a le droit jusqu'à 5. Ah mais il en profite. 3. Allez, il va jusqu'à 3. Il en profite, Francesco. Oh, une sortie. Allez, voilà. Et là, on va s'y mettre à 3. Et on va s'y mettre à 2. Et à 3. Intervention, attention, monsieur Francesco, de ne pas vous faire disqualifier. Oh, mais monsieur Fontana, passe un mauvais quart d'heure. Et monsieur l'arbitre, faites respecter les coins. Vous avez entièrement raison, monsieur l'arbitre. Il faut faire respecter les coins. Hein? Non, non, monsieur Francesco Vega est tout seul. Monsieur Francesco Vega est tout seul. Allez, tremblement sur la corde. Et on remet Fontana dans la ligne. Et Mike Le Pernois qui demande le passeport de relais. Qui est accordé. Passage qui est accordé. Attention. Double souplesse. Ça va faire mal là. Et enlevé. Allez, monsieur Francesco. Faut sortir. Le relais a été fait. Allez, l'étranglement, remonté par la gorge. Est-ce que c'est bien autorisé? Et remise au sol. Prise de bras. Je vous clique le bras. Et Mike qui voudrait bien prendre le relais. Mais Fontana n'est pas en position de la donner. On encourage Fontana à essayer de passer le relais. Et hop, remis au tablier. 1, 2, et 2, non toujours 2. Alors 10 minutes de combat. Oh, joli, joli, ça glisse et on en profite. Hein. On profite que le ring est glissant pour déséquilibrer son adversaire. Et une jolie droite. Ça, ça peut faire mal. Et une deuxième. Oh, et ce Fontana, il va falloir cogner plus fort. Allez, une manchette européenne. Une deuxième manchette européenne. Oh là là, l'éclair noir s'énerve. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là, monsieur Fontana, il va manger. Attention, on écoute. Oh, ça claque. Oh, bien amorti. Oh, il est coincé dans les cordes. Il est coincé dans les cordes. Monsieur Fontana va profiter. Allez, il passe le relais. Ah, monsieur l'arbitre est coincé là. Et il en profite. Oh, double coup de billet. Allez, que nous fait Foch. Et oh, double coup de billet. Joli comme tout. Et l'éclair noir, peut dire qu'il a mangé l'éclair noir là. À mon idée, il va falloir qu'il essaye de passer le relais, l'éclair noir. Il a en mauvaise posture. Je vous rappelle que l'élimination sur son est tombée. Position dans les cordes. Et le cordage. Et on expédie Fokstad dehors. Ah, il va être tout crade.
Ah oui, il aurait fallu éviter les sorties extérieures. C'est du gravier, messieurs, dames. Oh, et on va sortir extérieur. Messieurs, attention, pas vous faire compter. Ah, écrasement, l'éclair noir est furieux. L'éclair noir est furieux. Et je vous rappelle que le combat se passe sur le ring, monsieur l'éclair noir. L'élimination compte aussi à l'extérieur. Monsieur l'arbitre, comptez l'extérieur. Ils sont tous à l'extérieur. Attention, que nous fait Galatin. Oh là là, joli, le Galatin, c'est joli cet envolé. C'est joli cet envolé. Et Galatin charge Foster, 86 kilos. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Oh, elle porte. Oh, ce coup de pied magnifique. Le pauvre Fox n'en peut plus, le châssis dans le visage. Ah. Pauvre Fox, on a mis les Fox et... Oh mon Dieu, le coup de boule sur les endroits que je ne pourrais pas nommer. Mais monsieur Fox, ça n'est pas bien. Minutes de combat sur ce match. Et les passages de relais sont difficiles. Attention! Mon Dieu! À quel est l'un des soyeurs? Alors ça c'est la prise pour le match. Et Foxtel est terminé. Foxtel est terminé. Ça, c'est le jour de prise, on ne se relève pas. Ça, l'éclair noir adore cette prise. Attention, il faut évacuer le blessé. Voilà. Ah, monsieur l'arbitre, l'arbitre. Attends, monsieur Foxtan, retrouver ses défis. Là, il a pris ce qu'on appelle la prise de finition du Canadian Destroyer. Ça, cette prise. Ça va? Bon, il n'est pas mort, ça va aller. Mais bon, la tête, ça fait mal quand même. La tête, ça fait super mal. Attention. Alors, on enlève un petit peu l'eau et les cailloux. Alors, je rappelle maintenant que l'équipe de l'éclair noir sont à 3 et l'équipe de M. Fontana sont plus que 2. Ah, il va falloir mettre un peu du sien. Il va falloir y mettre du vote. Voilà, le ménage est un petit peu fait. Prêt à reprendre, monsieur l'arbitre. Reprise des combats, c'est parti. Fox éliminé maintenant. Michael Éclair Noir. Non, passage de relais. Alors, c'est Francesco Vela face à Mike. Ah, l'éclair noir n'a pas envie. Monsieur l'éclair noir, il vous a mis dans les difficultés. Ah là là, monsieur Francesco se demande ce qu'il doit faire. Ah, Francesco, il faut y aller. Il faut aller au charbon. Ah, il a un plan. Il a un plan, il va se coucher, il va faire le mort. Ah oui, alors là, c'est un plan, c'est plus un plan. C'est un plan d'évacuation d'urgence. Voilà, il y a de la guerre, il y a de la relève. Mike veut l'éclair noir. Ah, il va en venir à bout. Il va en venir à bout, il a dit Francesco. Francesco, je vous rappelle que si vous perdez, Fontana se retrouve tout seul. Ah, prise de mano. Mano à mano. Ah oui, non, mais ça, c'est pas bon, Francesco. C'est pas bon, ça, Francesco. Il est plus seul, lui. Oh là, écrasement des yeux. Ah oui, voilà, voilà le plan diabolique de Francesco Vega. Le plan diabolique de Francesco Vega, écrasement des yeux. Il lui a mis les yeux en place. Et le soleil réapparaît, messieurs dames. Ah, je crois que
Nous sommes bien partis. Étranglement toujours de Francesco Vega. Oh, projection dans les tombes. Oh, c'est de la violence. C'est de la puissance à l'état pur, ce Mike. Oh oui, mon gars, tu sais plus où t'es, hein. Il sait plus où il est. Non, on sympathise pas avec l'ennemi. Monsieur Francesco Vega ne sait plus où il est. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, monsieur Francesco. Vous avez choisi beaucoup. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, la ruse, toujours la ruse. Toujours la ruse, ce Francesco Vega. Et là, on va s'y mettre à deux. Eh, je me surprends à vous dire qu'il fait super beau. Alors attention au Mike, l'éclair noir. C'est parti pour une série. 2, 3, 4. Ah non, ça passe pas. Allez, dégagement de Mike. Ah, ils ont des comptes à rendre, ils ont des comptes à régler. Projection, Mike a des comptes à régler avec l'éclair noir. Il en veut de la soumission qu'il a pris juste avant. Et on encourage Mike. Il en a besoin. Allez, on vous rappelle qu'ils sont que deux. Pardon? Oui. Ah oui, Fox saigne vraiment. Il est vraiment blessé. Et là, je me dis, mais non, Mike. Allez, on continue, toujours Mike, face à l'éclair noir, bras retournés. Oh, ça sent la mise à deux, passage de relais, monsieur Fontana. Oh, on veut l'escalader, ils ont l'intention d'escalader Mike, l'éclair noir. Vous savez quoi? Étranglement. Et on étrangle, on cherche une mise de KO. Oh, ça va être léger pour une soumission, monsieur Fontana. L'éclair là de la ressource. Nous arrivons à 30 minutes de combat. Et je vous rappelle qu'il y a un seul éliminé, peut-être le deuxième. Ah non, il est encore là, Mike. L'éclair noir est encore là. Il a de la ressource. Et on encourage Fontana, parce que je pense qu'il va... Oh là là, ça y est, il est chargé. Oh, joli les centres. Attention, deux. Et non, il est toujours là, Fontana. Fontana est toujours là. Allez, projection dans les coins. Ah, mais alors là, là, je crois que monsieur l'arbitre, c'est pas bien. Monsieur l'arbitre ne fait pas son travail. Ah, si, monsieur l'arbitre fait son travail. Mike doit rejoindre son coin. Monsieur l'arbitre lui impose le droit de rester dans son coin. Et pendant cela, Mike continue à frapper Fontana. Sous les applaudissements de Galatone et de Francesco Vega. Oh, ah, c'est quoi ça? Alors écoutez ce bruit. Oh, il a décollé les poumons. Et une série. Oh, pour Fontana. Il voit même plus le jour, Fontana. Oh, il en veut aussi. Ah, ça y est, Francesco a trouvé du poil de la bête. Et oh, coup de boule. Oh, il s'est même fait mal, Francesco, les gars. Et il en met un deuxième. Oh là, Fontana a du mal. Il est emmené au sol. Coup de poing dans les mollets. Allez. Allez, Francesco, attention. Attention. Il va essayer une tentative de prise en quatre, retournée. Non. Oh, Francesco éliminé.
Francisco Vega éliminé. Francisco Vega se fait sortir. Ah là là, là ça va faire du grabuge. Francesco, ça va faire du grabuge. Alors là, Francesco, vous faites éliminer bêtement. Ah, vous n'allez pas vous faire des amis là, Francesco. Allez, monsieur Francesco, faut sortir. Francesco, faut sortir. Allez, 30 minutes de combat. Oh là là là. Fontana vole comme un fétu de paille. Oh là là, oh, attention, que va nous faire Galaton. Oh, oh, écrasement sous les cordes. On rappelle que c'est le tombé. Dégagement de Fontana. Alors je vous rappelle la prise, la base même de ce match à 6. Élimination tombée. Maximum de la durée du combat, 1 heure. Et nous en sommes à 31 minutes. Monsieur Fontana. Monsieur Fontana. Ah, monsieur Fontana, il fait l'effort. Ah, mais Galaton, tiens bon. Galaton, tiens bon. Ah, oh là là, plus tentative de petit paquet. Dégagement de Galaton. Bien tenté, monsieur Fontana. Passage de relais, Mike, l'éclair noir. Ah oui, Galaton, c'est bizarre. Hein. Il vous a retourné comme une carpette. C'est fini la chandeleur, attention. Allez, oh, une petite souplesse arrière. Tentative de tomber. 2. Non, dégagement. Allez, on encourage Fontana. Ils veulent ce match. Ils n'ont rien gagné aujourd'hui. Oh, joli coup de pied. On les encourage. Ils ont rien gagné. Il faut engager Mike Fontana. Ils ont tout perdu aujourd'hui. Et crachant dans les coins. Passage de relais avec Galaton. Oh. Projection dans la mur, appelé Galaton. Que va nous faire Galaton? Oh non, pas encore les parties à monsieur Fontana. Non. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, on retourne son personnage avec une élongation de la cuisse. Et un des coups. Et on porte des coups. Et elle aime ça les coups, les nommés. Hein. Attention. Oh, on écrase la cheville. Ça, ça fait mal. Allez, on peut encourager Galaton aussi si on l'aime bien. Et on profite, le soleil est là, on les encourage. Allez, Fontana, Fontana, on l'encourage. Attention, jolie souplesse. Oh, la magnifique emportée par Galaton. Et dégagement de Fontana. Ah non, toujours, c'est mal équilibré. À force égale. Et on s'épuise. Fontana cogne. Il veut cogner, il veut cogner. Oh, remise au tapis. Remise au tapis, Galaton n'aime pas ça du tout. C'est la seule femme aujourd'hui, mais elle sait se faire respecter. Oh, le joli coup de bleu. Ça, ça pique. Ah, il va pouvoir prendre un petit doliprane, monsieur Fontana. Et on a quoi, Fontana? Et rentrée de Mike qui va profiter d'être deux. Passage de relais.
Et on frappe, et on cogne. Oh, coup de pied, un joli big foot. Et on faille retourner, un, deux, et non, toujours deux. Et il retourne, un, deux, et toujours deux. Ah oui, c'est difficile, hein. Et vous en êtes à 35 minutes de combat. Oh, écrasement de la mâchoire. Les forces qu'on semble partir un peu pour tout le monde. Ça devient dur. Je vous rappelle que la durée du combat est programmée à maximum 1 heure. Et déjà, quand on y arrive, c'est bien. Oh, et maintenant, ils s'y mettent à deux régulièrement. Allez, encore un, deux, et on se dégage. Et Galaton est toujours face à Mike. Et on prend 96 kilos sur le dos. Et on charge, on charge. Et oh, jolie chute arrière. Et Galaton n'hésite pas. Ouais, et non, toujours deux. Les lutteurs sont taqués, hein. Fontana cherche à prendre le relais. Attention. Attention, on joue. Oh, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Ah, qu'on va nous faire, Galaton? Oh, mon Dieu! Mais Galaton a quelque chose contre les hommes, c'est pas possible! C'est pas possible! Passage de relais à Fontana. Attention, tentative de tomber de Fontana. Arrêté par Galaton. Oh, elle vous l'écrase. Et sortie de Fontana. Fontana éliminée par Galaton. Décidément, Mike se retrouve tout seul. Et sans possibilité de faire des enfants en plus. Vous êtes à 40 minutes de combat. Attention, joli face à face. Alors on encourage Mike. C'est lui qui peut sauver l'honneur. Il est tout seul face à deux catcheurs. Et croyez-moi, il a les yeux partout. Ah, il vaut mieux. Il vaut mieux, il a plus de bijoux de famille. Il tient à garder le peu qui va lui rester. Ah là, il est contre les deux plus violents. Qui va finir? Ah, coup de pied dans le genou déjà. Oh, cette baffe. Cette baffe. Ah, tentative de vengeance, c'est ce qu'il veut. Et Mike cogne. Allez, Mike, Mike est encouragé par le public. Ouais, vas-y, Mike. Allez. Oh, il est où? Derrière. Oh, coup de pied. Ah. Mike, on va tout faire. Qu'est-ce qui va arriver? Tentative de dignité manquée. Alors que Mike Leclerc est très fatigué. Il saigne à l'œil, apparemment. Ça va, il lui reste un autre œil. Ne paniquons pas, ne paniquons pas. Alors que Galaton s'en prend à Mike. Ah non, Mike, ça ne va pas décoller. Ah, attention, attention, altercation entre l'arbitre et Galaton. Oh là là, ça va pas, Galaton est en train de péter un câble encore. Oh, mon Dieu, mais que fais-tu, mec? L'éclair en main s'est retourné face à Galaton. Mais qu'est-ce qui se passe?
tentative de tomber. Mais Mike, qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Allez, bon, on regarde la forme. Et la sortie de Galathorne, éliminée par son propre partenaire. Éliminée par ton propre partenaire. L'éclair noir t'a éliminé. Ah ouais, il va falloir vous méfier maintenant. Ah ça, ça c'est une future vengeance. Une demande de prise de ceinture peut-être. Alors attention, là ça sent la vengeance et la fin. Qui va finir? Alors je vous rappelle que la ceinture n'est plus en jeu. Là on joue la victoire du combat, la simple victoire, et il a peut-être soif de vengeance. Mike, franchement, on encourage Mike, soif de vengeance Mike. Et prise au tête de l'éclair noir. Minutes de combat et un millier. Je vous rappelle qu'il vous reste plus que 10 minutes pour en découdre, les catcheurs. 10 minutes pour en découdre. 10 minutes, c'est long, mais à la fois c'est court. Attention, que va nous faire Mike. Allez, Clénois va nous faire une envolée de la troisième. Oh là là, attention. Descendre deux coups de la troisième. Oh là là. Elle est violente celle-là. Alors, qui va finir? Un. Dégagement de Mike. Allez, on encourage Mike. On encourage Mike, il en a besoin. Alors qu'on se retrouve dans le même scénario que tout à l'heure. Alors que l'éclair noir prend dessus, l'orage revient. Décidément, tout est avec le phénomène de l'éclair noir. Étranglement, étranglement, on cherche la prise du sommeil. Deux. Ah non, 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 non. Allez, on encourage, on encourage. Il veut trouver, il s'élève. Allez, il y va, Mike. Allez. Vas-y. Allez, on fouche. On y va. Allez. Allez, on encourage, Mike. Il n'y a plus de ceinture, mais tu peux prendre la victoire. Allez. On encourage, Mike. Et on encourage. Attention. Allez, 96 kilos à bout de bras. Oui, non. Oh. Tentative de tomber. 1, 2. Ah non. Décidément. L'éclair noir est robuste. L'éclair noir ne veut pas en finir. Et il vous reste exactement 6 minutes pour boucler le match. 6 minutes pour boucler ce match. Allez, Mike, c'est maintenant ou jamais. Allez, oui, t'es énervé, vas-y. Une jolie causaille. Allez, il est à ta portée maintenant. Attention, le brise-duc. Oh, joli, le brise-duc. Deux. Ah non. Ah, décidément. Mike, on va quand même pas finir sur un match nul, quand même. Allez, Mike. Allez, les éléments se déchaînent. Coup de pied. Oh, il change. Allez. Oh, ça a l'air de bonne. Deux, trois, il a fini. Il a tombé. Mike déclaré vainqueur sur l'éclair noir. Mais ça lui a coûté très cher.
Allez, Mike. Allez, on applaudit, Mike. La ceinture est à ta portée la prochaine fois, Mike. Ah, c'était très dur combat. Et tout est possible.